en couture. On vous l'a pas comme un talk et de la carte 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 de la carte. Thank you, Mr. President. Mr. Poncho, I will do my very best look, to wrap up my questions before the end of the session so that you can enjoy your lunch. My first question to you is again about the situation in April 75. You have testified about hospitals being evacuated. Are you aware that there are also refugees who have stated that they were coming to work in hospitals? Je n'ai pas connaissance de gens qui sont condamnés dans le Mentipet. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais je n'en ai pas connaissance. Thank you. Yesterday, you've also testified about the people who are present in the French embassy. C'est ce que tout le monde disait. Je n'ai pas de preuve, mais tout le monde disait que je n'ai pas de preuve. That is correct. Did you get a name? Non, je ne sais pas qui c'est. Je ne connaissais pas son nom. Pre-17 April 1975, je n'ai pas entendu parler d'un réseau de la CIA, mais je pense qu'il y avait la CIA. C'est évident. Par exemple, nous, en tant qu'Église catholique, on nous a proposé des aides venant du gouvernement américain que nous avons refusé parce que ça dépassait 37 fois le budget du service social cambodgien. Et certainement, ça devait être de l'argent de la CIA. Maintenant, c'est des suppositions. Ça paraîtrait évident qu'il y avait des gens de la CIA au Cambodgien. But do you have actual knowledge of this? Ta lok mien ka dang lue doy ptoal te chompu panha ni. Mais non, mais c'est évident que la CIA est partout. Que ta chbah na CIA mien noi krup kalai.
compte et avait des agents au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, en France, c'est évident, mais ils n'allaient pas comprendre que moi je suis un CIA. C'est évident qu'ils avaient des agents partout. Combien étaient, je n'en sais rien. Et que l'ambassade des États-Unis était une agence de renseignement, c'est pour ça d'être clair sur ce point, pour définir cela. Indeed, Mr. Witness. Another question for you today, but also 2 days ago, you have mentioned Michael Vickery.2 days ago, we're referring to Michael Vickery Look, as an Alors que ailleurs, dans Nirdei, par exemple, Tamok avait bien formé ses cadres. In your same testimony 2 days ago, you arguing that par exemple, dans mon livre, ça doit être à partir de janvier 1976, je ne suis pas sûr. Le slogan d'une directive venant de l'Ankar Le disait « comtect vana », c'est-à-dire « écraser la classe sociale ». Alors, dans certains secteurs, c'était interprété « on tue » Tous les gens qui ne sont pas de la couche moyenne inférieure. Je crois savoir ce que c'est.
Par contre, dans d'autres secteurs, c'était simplement obligé tous les gens des classes plus élevées à vivre comme les paysans de couche moyenne inférieure. Donc vous voyez le traitement sur une même directive, comme Tech Vanat écrasé la classe sociale, d'un côté c'était interprété que un peu plus loin, dans l'autre c'était forcer les gens à entrer dans cette classe. Il faut aussi savoir, relatif à votre question, que le, dans le Cambodge démocratique, il y avait très peu de directives écrites. Alors c'est comme la traduction de notre COT, de SEC. Je parle en français, c'est traduit en anglais, c'est en Mais bien sûr que je le sais. Je vous répète que j'ai écrit mon livre, il a été terminé exactement le 24 octobre 1976. Donc je n'avais pas la possibilité d'avoir des renseignements sur Kachet, sur Kompongjam, sur Sairien, sur Takeo. J'avais des renseignements, disons globalement, dans la région d'Atambang. Mais j'avais une palette, disons honnêtement, sérieuse. But if we go more specifically on, into his criticism, he's saying, for instance, that of the 94 refugees in the Wooden Council from the bases for your book, you list 63 by occupation. Of those, 52 were to complete status. Mais bien sûr que j'ai réfléchi à cela. Bien sûr, par exemple, vous avez parlé hier, qui d'entre vous a parlé du Haring de Oslo? Le réfugié qui a le plus impressionné les gens, c'était un réfugié, un paysan de Chongkal. Tout à fait, puisque l'enquête était faite par les paysans.
Premièrement, les réfugiés, ce sont les gens qui sont recrutés habituellement dans les hautes classes de la société. Deuxièmement, la tendance à critiquer le pays qu'ils ont connu pour justifier leur départ. Alors, il faut connaître cela, nhưng thật là đăng pi chấm đấy nhỉ còn mình ta mình ha đời sao đời hướng đang đời thôi quạt trên giấy ca bất thế quạt bất trên giấy ca bất mới này từ trước khi nhóm mới chỉ nhận sai chỉ đây chỉ nhận sai rồi cả mới nổ ca pi mình sao bằng ấy khi nhóm này giấy hai tay khi mình đăng ra cái bộ prai giống mấy thế khi mình giấy thằng nhóm đập nẹt bộ nẹt phe luôn chập bị khai cả nhà cho năm chất sập làm buồn sum tốt từ cả nhà chất sập Et je ne croyais pas ce qu'il racontait. Mais cependant, en homme honnête, j'ai noté ce qu'il disait. Et puis, comme tout convergeait, je me suis dit, mais ça a l'air d'être vrai. Et ils m'ont forcé, comme vous appelez conviction intime. Je me suis dit, ça ne suffit pas. C'est pour ça que j'ai écouté la radio de Rouge, du Vitu Campuchia, Pachia Tipatai, pour connaître l'idéologie. Donc, la radio donnait l'idéologie. Les réfugiés donnaient le comportement vécu du peuple Khmer, alors différemment si c'était riche, si c'était citoyen ou citadin, et la convergence des deux faisait une preuve de type scientifique. Alors, ne m'accusez pas d'avoir choisi que des riches, c'est pas vrai. Et il y a quelques Khmer Rouges, enfin, il y a deux réfugiés qui se sont présentés comme des Khmer Rouges, en leur posant des questions un peu indiscrètes, je me suis rendu compte que c'était pas des Khmer Rouges du tout. Parce qu'il faut quand même avoir un certain avoir une certaine intuition. Certaines intuitions. Que họ rồi mình khó những ai dồn ban tam là giá cả sang tận địa kia tới bên tâm Mr. Bonchot, let it be clear, I'm not accusing you of anything. Hai nội trong tổng bộ đại bộ đội lục 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 cứ đi dây thả chế tu tư cứ thả sạc cây cam rồi bỏ cái bẹp bòn tuần nâng chốc Việt Nam này chuẩn việc luôn tuần rồi nó tam chuẩn nó bòn mình mệt cả sĩ co đại lục phong số ban này dây bị thọt bây giờ làm bây thọt bây giờ rồi bỏ cọt công ty ta lúc ai bên trên bắt cam rồi bỏ lục tuần lờ chấm nói ni rồi bỏ Michael Vickery ni bàn thế Effectivement, les réfugiés, dans un premier temps, c'était des paysans, des citadins, et parmi les citadins, les premiers à avoir gagné la frontière, c'était les militaires, de Batambang, avec 6 samiètes en tête. Ensuite, il y a eu une deuxième vague de réfugiés, ça a été les Chinois.
chôn thiệt luôn một tiết kia sao là bụi chân. Cứ thảo mình ấy bắt bóng lên không bắt đề vọt thì hai bắt chọc bị khai mạng cả ra chất sự bầm mùi mốc. Cứ chạp bắt đầu mình đầm nạ cao đi bì rồi bắt buộc mai cả hôm cứ bắt đề vọt bắt chế thập bắt tay cứ cái chạp bắt đầu lúc bóng bắt cử bằng riêng hai chạp bị khai mạng cả ra chất sự bầm mùi mốc. Dân khơi miền Krum Kru bồng riêng thì họ được chia Chu Tri để khi ông khơi cho phần này hay nâng nâng Prasong và tòa mới dân khơi miền nẹt cả cái co mà đã phe khluôn mà đó bởi cho nên về miền cho nát xây nên là bao chân phe khluôn qui veut défendre les paysans, qui veut promouvoir la classe paysanne à laquelle j'appartiens, chasse les paysans ou force les paysans à quitter le pays, là on se pose des questions. Mais au moment où j'ai écrit mon livre, les paysans n'étaient pas encore tous, le gros des paysans n'étaient pas encore partis, les réfugiés se composaient sur deux citadins, je me concentre. Thank you, Mr. Ponchonades. Someone else has been criticizing you as well when it comes to the selection of the refugees. There's a person called Gareth Porter. And he is saying that these refugees that he spoke to were the ones who were deliberately trying to blacken the regime they just fled. Would you agree with this particular criticism? Bon, je suis d'accord avec la critique de Gareth Porter, mais ce n'est pas une critique recevable. Un réfugié ne dit pas forcément des mensonges. Et j'étais suffisamment attentif à dire attention, décryptons le récit des réfugiés. Et notamment, recoupons-le par la radio. Hãy khi nhóm có đọc vì chú đảm bây bình tiếng toàn mưa tha ta đôi khi nếu vì xì sẵn vạ và khi nếu ớt phát đảm bây tự bán phát tăng vì chia sáng nên cứ ta dân phòng mâu và phục vò đảm biến mắt đảm bây bình mưa tha ta về miền đôi khi ớt cứ dân khơi nhằm miền này dạy ạc vì ông ca đôi đôi khi nếu vì mình không dụng phơi khi nhóm thấy ta miền này dạy này chẳng lại bây xên cứ thật nhóm chưa rơ sạc khay căm đã ạc tựa cho bán bằng phát xâm rạp vụ bà châm bà tê khi bán chưa rơ rơ ខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកសក្តិកម្មដែលមានខ្លាំងនោះទេពីពួកខ្ញុំដឹងថាប្រកាសជាមិនទទួលទេខ្ញុំយកដាក់សក្តិកម្មណាដែលពួកប្រចាំប្រទេសដែរទទួលយកបានដើម្បីឲ្យគេដឹងថាពួកគាត់ទាំងអស់នោះគឺអត់និយាយបំភ្លឺទេគឺនិយាយតែជាការពិត. ការពីម្សិលមិញលោកប៉ុងសូក្លូនលោកផ្ទាល់បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅពេលដែលនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួនគឺថាត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះយើងនិយាយអំពីការពិតហើយខ្ញុំសូមដកស្រង់សម្ដីនេះគឺថាអាចនឹងបំផ្លើសព័ត៌មានពពុះដោយសារតែគាត់បានទទួលរងការឈឺចាប់តើលោកអាចពន្យល់បន្តិចបានទេហើយអ្វីបានលោកអះអាងថាជនភៀសខ្លួនអាចនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបានសក្ដិបន្តែគាត់អាចបំផ្លើសដោយសារតែគាត់ឈឺចាប់ Journaliste, je suis de profession, je suis un professionnel.
Alors je me suis dit non, je dis la vérité et je suis bien inférieur au drame qu'ont vécu les Cambodgiens. Bien inférieur. Quand quelqu'un se présente avec un trou dans le trou, il a reçu une balle dans le trou qui lui a laissé un trou. C'est vrai ou c'est faux? Quand je rencontre dans les camps de réfugiés, des réfugiés qui ont les épaules toutes tannées, vous comprenez ce que c'est le mot tanné qu'on peut cuire sur les épaules, parce qu'ils ont tiré la charrue pendant des semaines et des mois. Il n'y a pas de possibilité d'erreur. C'est visible à l'œil nu. Quand quelque rencontre un réfugié qui emporte sur la tête l'angle d'une entaille de hache, je ne peux pas nier. Il a reçu un coup de hache sur la tête et il n'a pas été tué. Il n'est pas mort. Quand je rencontre un réfugié de Sandan, exactement, qui est vraiment un pauvre type, qui me dit « je suis tombé dans le trou, j'étais tué par les Khmer Rouges, je suis tombé dans la fosse avec les morts, et puis, au bout de quelques heures, des morts sont tombés sur moi, et au bout de quelques heures, je me suis réveillé. Et puis vraiment, un pauvre type, il s'appelle Tateng. On ne peut pas douter que celui-là vous dit, vous raconte des salades, c'est pas possible. Il vous raconte dans le moindre détail comment lui, il a écouté Sihanouk qui lui disait de prendre le Preimaki. Il me dit, moi, Preimaki, je sais pas ce que ça veut dire. Il a dit, Prey, ça doit être la forêt, donc il part dans la forêt. Mais vraiment, un illettré, il sert le Cambodgien démocratique pendant quelques semaines, mais comme son cousin était militaire de l'Homme. Eh bien, les Khmer Rouges l'ont tué, mais il a survécu. Ensuite, il court du côté du gouvernement, des troupes gouvernementales, il se fait attraper par les Américains, qui le questionnent pendant 10 jours. C'est pas inventé, ça ne peut pas être inventé. Ensuite, on l'envoie à Nealuan, où ses satrapes américains se trompent de cible et rasent la ville de Nealuan en 1974-1975. Et il est un des seuls rescapés. Ça ne peut pas s'inventer.
Of course, Mr. Poncho, I'm not saying that it can be obvious that certain accounts of detailed events are credible or not credible, but sometimes we do see, but we also draw conclusions from these specific incidents or tragedies or horrors that the refugees have been speaking about. Would it be possible that these refugees have been speaking to each other about the things that have happened to them and then drawn their conclusions as it comes to the government's policy or their behavior or something like that? How did you try to prevent that from happening? How did you try to prevent that from happening? How did you try to prevent that from happening? Le réfugié raconte son histoire personnelle que j'essaie de faire détailler au maximum les lieux, les temps, les dates qui étaient avec, etc. Je ne lui demande pas des considérations d'ordre politique. Même souvent, il m'en donne, mais je ne prends pas en compte ces considérations d'ordre politique. Les conclusions d'ordre politique que j'ai en mon livre proviennent de la radio LM du Cambodgien démocratique, ne viennent pas les réfugiés ne font que donner le côté vécu de l'idéologie complètement utopique, aberrante du Cambodgien démocratique. I understand your question, your answer, Mr. The behavior of lower level Carter, which could be completely different as to what senior leaders might possibly Oui, c'est tout le problème du tribunal, ce présent tribunal. Est-ce que vous jugez une personne ou est-ce que vous jugez une politique et une idéologie? Pour moi, depuis le début, c'est la question que je me pose. Vous avez des gens dont M. Kiyosan est présent ici, qui ont essayé, qui avaient de bonnes intentions au départ, et puis ensuite qui sont perdus dans cette idéologie complètement aberrante, utopique. Ils rêvaient d'un monde meilleur. Alors, effectivement,
Il y a les deux. En France, le septembre 1975 à Are you able
I realize it's a long time ago, but are you able to say from 1994 wanting to tell their story that you approached? How អ្នក ណា ខ្លះ ដែល លោក បាន ទៅ រក ពួក ពួក គេ នោះ Je suis incapable de vous le dire. បាទ ខ្ញុំ មិន អាច និយាយ ប្រាប់ លោក បាន ទេ ក្នុង ជំនាញ នេះ ខ្ញុំ ជួយ ពី ខ្លួន ចង់ ដឹងដល់ អត់ ដល់ l'origine des réfugiés. ខ្ញុំ មិន ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង ថា ជួន ពី ខ្លួន នឹង ចេញ មក ពី ណា ពី ណី នោះ ទេ ខ្ញុំ អាច ឆ្លើយ ជូន លោក បាន ទេ ចំណុច នេះ. Yesterday, Mr. Ponchoy, you were speaking about the camps in Thailand. And you said, you testified yesterday that from 1975 to 1976 there were around 20 refugee camps along the border. And later you have testified that from 1975 to 1978 there were about 50,000 refugees in Thailand. Are you able to make a differentiation in that number? More specifically, are you able to say how many refugees there were in the camps where you spoke to them and you made, when you wrote down their accounts? Oui, c'est exact. Au début, par exemple, quand j'ai passé la frontière, je vous ai dit hier, aujourd'hui, qu'il y avait quelques milliers de réfugiés.
Et là, je dirais, on ne peut pas parler de réfugiés, c'est des déplacements de population. Et là encore, hier, on m'a interrompu à juste titre. Il y a eu une première vague de réfugiés, du 7 janvier 1979 jusqu'au 17-18 juin 1979. Il y a à peu près 80 000 réfugiés qui sont partis en Thaïlande. Ces réfugiés appartenaient aux classes supérieures qui n'avaient pas été détruites par les Khmer Rouges. Donc des enseignants, des médecins, des gens plutôt de la haute société qui avaient perdu leur famille, leur métier. Ensuite, alors, il y a eu une famine terrible au Cambodge qui a suivi la libération ou l'occupation du Cambodge selon votre bord idéologique, surtout à partir de septembre 1979. Alors là, ce n'est pas des centaines de milliers, c'est par millions que les Cambodgiens sont partis en Thaïlande. Et la communauté internationale, dans un but qui est très discutable, a organisé ce qu'on appelle un land bridge. Land bridge, c'était un peu au nord d'Aranya Prathet, ou à l'intérieur du Cambodge, l'UNICEF et la Croix-Rouge distribuaient des vivres, des semences au peuple khmer. Alors, à cette époque, il y a eu comme une noria de charrettes qui arrivait par 10 000 charrettes à bœufs qui venaient chercher des vivres et des semences. C'était un déplacement de population plus que des réfugiés. Il y en a eu des millions, je répète le chiffre, des millions. Et l'armée vietnamienne autorisait, en fermant les yeux, ça dépend des époques. Alors ensuite, à la fin de l'année 79, le gouvernement thaïlandais, sans doute conseillé par la Chine, a ouvert des camps à l'intérieur de la Thaïlande, par exemple un camp fameux qui est celui de Khao Idan, et où à peu près à 30 km à l'intérieur de la Thaïlande, pour attirer ces gens qui venaient chercher de la nourriture. Et parmi ces, il y a eu jusqu'à 150 000 réfugiés dans le camp de Khao Idan. Et là, l'armée thaïlandaise recrutait des soldats pour aller chasser les Vietnamiens du Cambodge. Tout cela, ça s'inscrit dans la géopolitique mondiale. La Chine, opposée à l'Union soviétique, présente au Vietnam, au Cambodge, par Vietnamiens interposés. Alors,
ensuite encore, à partir de 1984, l'armée vietnamienne, aidée par l'armée cambodgienne de M. Hun Sen, a nettoyé la frontière. Et là, il y a eu à peu près dans les 400 000 réfugiés qu'on n'a pas appelés légalement des réfugiés, mais des personnes déplacées qui se sont réfugiées à l'intérieur de la Thaïlande. On n'a pas appelé ces camps des camps de réfugiés, mais on les a appelés des sites. Par exemple, il y avait le site 2, où il y avait à peu près 200 000 personnes, site 2, qui était plus grand que Phnom Penh. Il y avait site 8, qui était le site des Khmer Rouges. Un peu plus haut, un peu plus bas, il y avait un site, ça doit s'appeler Sok San. Je me trompe un petit peu, peut-être. Sok San, où il y avait également des Khmer Rouges. Un autre site à Ho Trao, c'était également des Khmer Rouges. Et puis, il y avait le site B, qui était tenu, il y avait à peu près 80 000 personnes tenues par le Front Sinpec. Et tous ces sites servaient de base arrière des différentes troupes pour aller attaquer les troupes de la République populaire du Cambodgien, où M. Hun Sen était le premier ministre. Alors, on peut discuter de l'aide internationale aux personnes déplacées, qui n'est pas neutre. C'est compliqué, la question des réfugiés et des personnes déplacées en Thaïlande, selon les époques. Thank you, Mr. Poncho. Something completely different. Today, yesterday, and the day before yesterday, you spoke extensively about Mr. Khieu Samphan. Yesterday, only once you mentioned Nguyen Chia. My question to you is, and it's a very precise question, would you be able to tell the chamber when the first time was you actually heard the name of Nguyen Chia? I don't know exactly. 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 Même pour le jugement organisé par l'armée vietnamienne en août 1979, curieusement, M. Nguyen Chia n'est pas cité. On ne juge que la bande Pol Pot Yeng Sari. M. Khieu Samphan n'est pas jugé non plus, n'est pas cité non plus. Et curieusement, je dis bien curieusement, car M. Nguyen Chia, selon le dernier livre de Loka, c'était le représentant de la personne formée par les Vietnamiens aux interrogatoires. Vietnamiens communistes formés aux interrogatoires et en 1979, ingénument, les Vietnamiens pensaient que Nguyen Chia était sans doute, pouvait être leur homme de liège au Cambodge. Ils se sont trompés, mais ingénument, c'est pour ça qu'il n'est pas cité dans le jugement du mois d'août 1979. Le juge Yeng Sari, Pol Pot Yeng Sari. ពលពតយើងស្រីឆ្ងាយពីក្របខណ្ឌភាពចាំបាច់នៃការឆ្លើយតបនឹងសំណួរសំរួលឲ្យសួរខ្លីនេះសូមលោកខ្ញុំរំឲ្យនឹងឆ្លើយតបកម្រិតត្រឹមតែភាពចាំបាច់នឹងគ្រប់គ្រាន់តបទៅនឹងសំណួរបានហើយ Just one small additional question on Nguyen Chia, because you brought it up, let's call it the show trial in 79 against Pol Pot Yeng Sari. Have you been following Pol Pot Yeng Sari? And if yes, have you ever heard
Voyez le bouquin de Locard, de Henri Locard. The day before yesterday, you were speaking about Henry Kissinger and Richard Nixon. And according to my colleagues, you used a specific literal word in Khmer to describe both of them. And that hasn't come through Non, ce n'a pas été perdu parce que c'est des gens qui j'ai le profond mépris. អញ្ចឹងបើសិនជាគេនិយាយថាខុនធំទេបុលអីមិញហ្នឹងមកបកហ្នឹងមកត្រូវហើយព្រោះថាខ្ញុំមើងងាយពួកនេះធម្មតាអញ្ចឹងបានន័យថាលោកពិតជាបានប្រើប្រាស់ពាក្យខ្មែរដែលមានន័យថាអាហ្នឹងតែមិនមានការបកប្រែដែលត្រឹមត្រូវតែមែនដែរទេមិនបាច់ឆ្លើយតបទេលោកសាក់ស្អីដូចជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលត្រូវកំណត់ធ្វើសកម្មភាពនេះ Mr. President, I agree entirely Messelmeng, comme Anne, c'est que des Irieka, c'est que des Irieka, en pis, c'est que des Dekyom Niei, pis Messelmangaï. Comme Kring, Tamien, Piekla, Muntrain, un Kumnet, Baknyom, Mopi, Mien Panyaha, Bopre. Bakun, hey, Panyani, Tain, Tamien, Puntai, Angyamre, Nung, Binet, Tim Tort, Rwinka, Prapra. ភាសានៅដំណាក់កាលនៃការរៀបចំប្រតិចរិទ្ធម្ដងទៀតព្រោះការប្រតិចរិទ្ធនេះគណនាវាប្រើប្រាស់ភាសាដើមអ្វីយើងយកភាសាដើមដែលលោកបានប្រើឬក៏ពាក្យពីពាក់ព័ន្ធបានប្រើធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញរវាងភាសាបកប្រែនិងភាសាដើមដែលប្រើប្រាស់នៅទីនេះអញ្ចឹងមិនមែនយើងយកតែម្ដងជាការស្រេចនោះទេយើងនៅផ្ទៀងផ្ទាត់អាចជាថ្មីម្ដងទៀត Mr. Poncho, I finished my examination. I would like to thank you very much for your answers. សូមគោរពអង្គសមរការសូមគោរពលោកប្រធាននិងសូមជម្រាបសួរលោកហ្វ្រង់ស័រពងសូខ្ញុំជាមេធាវីជាតិរបស់លោកនួនជា
ខ្ញុំមិនមានសំណួរទៅលោកតារាធិទេសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានមកជួយបំភ្លឺចំពោះតឡាកាហើយសូមលោកអញ្ជើញទៅវិញដោយសុវត្ថិភាពសូមអរគុណលោកធានបាទអរគុណហើយអរគុណលោកប្រងសោបងសោឥឡូវនេះការត្រាប់តក្កីកម្មរបស់លោករហូតដល់ពេលនេះបានចប់ហើយហើយវត្តមានរបស់លោកនៅអវតកលែងមានភាពចាំបាច់ទៀតហើយលោកអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់លោកឬក៏គោលដៅណាដែលលោកមានបំណងចង់ទៅបានហើយអង្គជំរះសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមដល់តក្កីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំរះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លះកន្លងមកនេះហើយប្រកបដោយភាពអត់ធ្មត់និងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនហើយសក្កីកម្មរបស់លោកនឹងរួមភិក្ខាទៀននៅក្នុងការស្វែងរកការពិតក្នុងរឿងក្តីនេះហើយសូមជូនពរលោកប្រងសោផងសោផងសោជួបតែសំណាងល្អនៅរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលតឡាកាសរួមរួលជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃអង្គភាពគាំពារសាក់សីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជូនសាក់សីរូបនេះវិលត្រឡប់ទៅកាន់រំលឹកឋានរបស់គាត់ឬក៏ទីកន្លែងជាគោលដៅដែលគាត់មានបំណងចង់ទៅបានហើយបន្ទាប់ពីការចប់សកម្មភាពនេះហើយឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់ហើយហើយតែមុននឹងសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់អង្គជំរះសូមប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពិនិត្យផុសតាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយត្រឹមនេះហើយសកម្មភាពពិនិត្យផុសតាងនឹងលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាឆ្នាំ2013ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាឆ្នាំ2013អង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្កិកម្មសាក់សីដែលមានរហស្សនាម TCW110 ដែលនឹងផ្ដើមសួរដេញដោលមុនភិក្ខុដទៃទៀតដោយតំណាងសហប្រញ្ញាហើយសូមភិក្ខុបច្ចុប្បន្នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តី 002/01 ចូលរួមហើយនឹងសាធារណជនជ្រាបហើយសូមជម្រាបផងដែរថានៅរសៀលនេះចាប់ពីម៉ោង 1:30 នាទីអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពជាសាធារណៈពិនិត្យពិភាក្សាលើសំណើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនដែលបានសុំដោះលែងលោកខៀវសំផនឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបន្ទាន់ដោយដាក់នៅក្រោមការពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនឹងបញ្ហានេះរួមមានក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកខៀវសំផនលោកខៀវសំផននិងសហប្រញ្ញាសូមអញ្ជើញភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមសកម្មភាពនេះតាមពេលវេលាកំណត់នៅរសៀលនេះហើយនឹងសូមសាធារណជនជ្រាបនៅក្នុងសកម្មភាពរសៀលនេះអង្គជំរះក៏អនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមេធាវីការពារក្តីនួនជាឆាកមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីមេធាវីតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីបណ្ដាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងសកម្មភាពនេះអាចមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះបានក្នុងឋានៈជាអ្នកសង្កេតការតែប៉ុណ្ណោះនេះប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីមានបំណងធ្វើដូច្នេះបាទអង្គជំរះប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទនួនជាត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនិងឲ្យនាំខ្លួនគាត់មកចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសាឆ្នាំ2013ឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកដោយឲ្យទុកគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសកម្មភាពនេះដែលមានរៀបចំឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់គាត់អាចចូលរួមនឹងតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយហើយនឹងប្រកបឲ្យការឈប់សម្រាប់ថ្ងៃត្រង់នេះគឺយើងឈប់ពីពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលនេះចូលវិញហើយប្រកបឲ្យអនុរិយអមទីខំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅបន្ទប់រងចាំខាងក្រោមហើយប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់មកកាន់បន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1:30 នាទីសម្រាប់ចុះ